Dites-moi, très honnêtement. Tiens, dans le cul de ta mère. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Ça, je crois pas, ça, mon pote. Hein. Ouais, c'est quoi ces conneries, là? C'est quoi ces conneries? Pourquoi elle va être reportée, la réunion, là? Parce que on m'a appris que Jalali Emmanuel n'est pas là, apparemment. Jalali non plus. Et Rosso, il est là, il a fait une petite sieste. Je suis en plan qu'avec lui, à côté de son entreprise. Ils ont dit qu'ils étaient ok, putain, les gars, sérieux, là. Oui, c'est ok, mais laisse-moi terminer, putain de merde. Mais dépêche-toi. Comment ça, je me dépêche? Je me dépêche si je veux, déjà. Non, tu te dépêches, allez. Non, dépêche si j'ai envie. Dépêche-toi, putain. Me dépêche si j'ai envie. Tu perds ton temps, là. Je perds pas mon temps, tu fais pas de mon temps. Je suis à deux doigts de raccrocher, alors dépêche-toi. Appuie pas sur le bouton rouge. Dépêche-toi, ça, putain. Jamais. Tu te dépêches. Bref. Apparemment, les Russes auraient foutu une prime sur la tête de Rosso et sur Dawson. Ouais, pourquoi? Parce attends, que t'as c'est eu des l'info d'où, là? De Rosso. Mais comment ça, parce que c'est des raffoneurs? Vas-y, je vais. Vous êtes où, là? Envoyez-moi un plan, j'arrive. Non. Viens pas, parce que là, on est en planque. Vous êtes en planque, de quoi, genre... qu'est-ce qui se passe? Non, on surveille les points de notre truc, et puis tout à l'heure, les Russes tournent autour des points. Ils essaient de choper un autre raffineur. Ah, oh, putain, sérieusement. Ouais, vu que certains sont pas là et que Rosso est dans la merde, ouais. On va peut-être devoir s'occuper des Russes avant de faire quelque chose. Ouais, t'as une idée, Einstein, ou pas? J'ai plus mon PPA, moi. Ouais, je sais, on a pas d'argent pour acheter de grosses armes. Bah ouais, hein. Ouais, c'est intelligent, ça. Et eux, ils peuvent. De qui ils peuvent? Les Russes, eux, ils ont des armes. Ouais, et donc on fait quoi? Eh ben, on est dans la merde. Bah, non mais attends. Il y a forcément une solution à tes conneries, là. Moi, tout ce que je sais, là, c'est que les Russes, ils en veulent au raffineur, parce que lors du combat légal de la KU, Jalali n'a pas répondu à la meuf qui est russe. Depuis, ils sont en embrouille. Le combat légal, c'est quoi, ça? Le combat de boxe, là, qu'il y avait eu. Mais comment ça, il n'a pas répondu à la meuf? Bah, du genre, les Russes ont essayé de truquer le combat, sauf que les raffineurs ont gagné, elle a eu le seum. Elle a voulu parler à Jalali, et Jalali l'a snobé. Attends. Pour un combat à 2000 balles? T'es en train de me dire que tout le monde est menacé de mort, là? Bah, apparemment. Non, mais c'est quoi vos conneries, là, putain? Et ils sont passés où, là, Aladdin et l'autre? Ouais, bonjour, monsieur. Aladdin et l'autre, je sais pas. Rosso, il est quelque chose à Buisson, moi aussi. Et Rosso, okay. Là, bon. Il fait t'as parlé au gouvernement ou pas pour les montants? Bah, ouais. Et alors? Bah, j'attends toujours que ça en remonte. Mais je vais renvoyer encore un message, hein, mais... Ok. Ouais, et pourquoi ils sont partis où, alors, dis-moi, les deux gugus, là? Bah, je sais pas. J'ai pas de nouvelles d'eux. Ouais, c'est bon, ils vont venir, t'inquiète pas. Aie confiance. Non, non. Et Rosso m'a dit que Jalali serait certainement, mais très certainement pas là ce soir. Ouais. Et Emmanuel, à mon avis, il vient pas. Enfin, il sera pas là. Et en tous les cas, vu qu'on soit dans la merde... Et tu crois pas qu'il nous aurait prévenu? Ah, c'est lui qui a raccroché cette fois. Attends, il y a Emmanuel qui a essayé de m'appeler, là, attends. Ah, très bien. Crois-moi que c'est pas annulé, hein. Pelé. Ouais, Thiel. Oui. Ça va? Comment allez-vous? Ouais, quoi de beau? Je viens de me réveiller, là. Oh, sacré sieste que tu nous fais, là, hein. Hop, ça dégage. Ouais, excuse-moi, Truel, j'ai enlevé mon masque et... Si, ok. Vous êtes où, là? Là, je suis au service taxi, viens, s'il te plaît. Ok, j'arrive. Vas-y. Bonjour, monsieur, vous avez bossé aujourd'hui? Non, pas trop, j'en ai arrivé en ville, je faisais juste un petit truc. Ok, il y a d'autres employés ou pas, vous savez? Non, Gaston est en pause. Bon, allez, messieurs, passez une bonne journée. Merci, vous aussi. Ouais, moi, viens au service taxi, il y a Emmanuel qui arrive. Ah ouais, j'arrive. Vas-y. Ah ouais, donc Rosso, on reprend direct ou... C'est-à-dire dans la merde. Ça monte pas l'argent, hein. Les gars, Hola, patron. Ouais, comment vas-tu? Ça va et vous? Ouais, ça me dit quelque chose, cette veste en jean, là. Ouais, c'est vous qui me l'avez piqué. Ouais, c'est ça, ouais. T'étais même pas dans les couilles de ton daron que je l'avais déjà, allez, viens. Eh, hey, calme-toi. Tu veux vraiment le battre? Ok. Non, je veux pas, arrête. L'autre fois, ça a mal fini. Va pas m'habiller mon costume. Bon, c'est la merde. Ah ouais, c'est la merde? Ouais, c'est la merda, comme tu dis chez toi, là. Bon, je te la fais courte ou pas? Ouais, dites-moi. Alors. Hop, je me tire une clope, de toute façon, faut parler de quelque chose. Si. Les Russes, apparemment, il y aurait une prime et potentiellement une mort. Comment ça? Dawson. Sérieux? Et Rosso. Dawson et Rosso, les deux? Ouais. Oi, c'est qui ça? Mais c'est moi, putain. Ah ok, c'est sa bagnole? Ouais, mais tu sais quoi, il est passé au tout électrique. Ouais, c'est putain, elle est magnifique, eh. Ouais, elle est pas... Salut, moi. Allez, salut, ta caisse. Merci. Ok, bon. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Il y a la réunion, hein, elle est maintenue, je te le dis, mon pote, hein. Ça va les connaître. Elle est pas maintenue si on peut pas. Mais si on peut, pourquoi on pourrait pas? Jalali, il est où? Parce que Jalali, qu'est-ce que c'est sous chef pour l'instant? Il est pas là, et Rosso, il est pas là. Jalali, normalement, il devrait arriver. Voilà, donc il est là, donc elle est maintenue. Arrêtez vos conneries, il est pas là. Ça fait 4 jours qu'on prévoit ça. Pour l'instant, il est pas là. Mais je suppose que vous êtes parlé en dehors de la ville, il devrait pas tarder, à mon avis. Non, il avait une urgence, et il va essayer de revenir le plus vite. Il va essayer. Je lui envoie un message. Si à 22h il est pas là, ça reporte à demain. Ouais, mais je vous le dis, si il est là à 22h, on le fait quand même. J'en ai rien à foutre de vos conneries. Si il est là, on le fera, et les tâches de Rosso, c'est moi qui les ferai. Je suis chuchoté, messieurs. Histoire que vous savez, hein, les coups de magie, y'en est pas sur nous. Hein. Autant aller ailleurs, alors. Ouais, allons ailleurs. Ouais,
bon bah allez. Tu nous emmènes, moi ? Eh, on a beau bosser, le coffre, il monte pas, c'est la merde. Ouais, mais je comprends pas ce qui se passe. Même Rosso, il a des problèmes avec les raffineries. Ah, Rosso nous en a parlé. Il a des grosses montées de 50 000 qui s'en vont le lendemain. Il comprend pas du tout. Ouais, moi j'ai des grosses montées aussi, mais c'est pas de l'argent. Hein. Bon, si, allez, si. Vas-y. On est parti en plan avec son truc de raffineur là dans le désert. Ouais. Et il y a les Russes qui tournent pour choper des raffineurs afin de choper Rosso. Et apparemment, ils veulent aussi choper Dawson. Et ils veulent le choper parce qu'apparemment, lors du combat de boxe qui était légal, Jalali n'a pas répondu à la meuf. Et depuis, ils sont en embrouille. Donc ils veulent leur mettre un coup de pression, c'est ça ? Je crois que c'est plus qu'un coup de pression là. Moi, bon, ça fait plaisir à perdre. Attends, comment ça ? Tu crois quoi, toi ? Parce que Rosso m'a bien dit des messages qu'il a bien reçus des Russes. Ouais. Il est enterré. Hein. Attends, Rosso, on parle de mort là, non ? Oui, on parle de mort. Et Dawson aussi, du coup, je pense. Attends, pour un putain de combat de boxe ? C'est pas moi, c'est le truc que j'ai. Rosso, il tient l'information, mais là, il a dû faire un somme. Putain, dis quelque chose, tu viens là. Mais je sais pas, je comprends que dalle. J'étais pas là, c'est quoi cette histoire de boxe ? Eh, j'en sais rien, putain, j'étais pas là, je comprends que dalle, c'est la merde là. Eh, t'es fou pas de ma gueule, ok ? Eh, y'a même fou pas de ta gueule ! Si, tu te fous de ma gueule ! Non, y'a te fous pas de ta gueule ! Putain, cabron ! Oh, y'aura des puta. Et Dawson, il est au courant de ça ou quoi ? Non, mais il n'a pas tardé à le savoir. Bah ouais, parce que là, il m'a envoyé un message pour que je lui rende sa thune et tout. Il veut qu'on se voit. Attendez. Mon compte en banque a été vidé aussi. Vérifiez vos comptes en banque en cas où, mais le mien, il est à zéro là. Attendez, c'est ok. Le mien, c'est ok. Va voir là la banque. Va voir là la banque. Surveille pas sur son téléphone, des fois, ça fonctionne mal. Ah non, je sais pas, parce que le mien, il y avait 3 000 $ dedans et il y a zéro. Ok. Oh putain. Non, c'est pas un parking, je vais me garer. Un contrôle d'un véhicule avec conduite dangereuse. Ouais, donc c'est pas ça le problème. Ouais, il vient de te parler. Non, mais c'est bonjour, monsieur. Je suis un peu garé là, il faut pas. Non, ça, c'est pas si grave que ça, je m'en fous. C'est plus le feu rouge gris et la vitesse qui me dérange. Il y avait pas de feu rouge pour moi, il était vert. Et ça, c'est le problème. Là, il était rouge et puis la vitesse. Maintenant, il est rouge. La vitesse. Oui, bah c'est une élytre avec un, c'est pas tout seul. Vous allez bien, monsieur McGallaghan ? Ça va très bien, et vous, monsieur l'agent ? Ouais, ça va, vous êtes des spasmes au doigt ou... Pardon, pourquoi ? D'ailleurs, monsieur McGallaghan, ça fait un petit moment que je voulais pas dire, mais vous savez que vous êtes beau. Ah, mais vous êtes très beau aussi, monsieur. Putain, c'est fou. Bon, écoutez, laissez-moi tranquille, allez, c'est pas grave, vous avez rien vu. Ouais. On va dire mais ça. C'est parce qu'en ce moment il y a des problèmes de banque là, nos comptes ils sont à zéro, allez tout le monde panique là-dedans, c'est la merde en ville. Ah, faut que je vérifie. Ouais. D'ailleurs vérifiez votre compte en banque monsieur. Hein. Non, mais vérifiez dans la banque parce que l'application elle est pas... C'est pas une blague. Putain, les banquiers m'ont niqué. Les banquiers ils t'ont eu ? Sur les 3 000 j'ai plus que 1 900. Ah, putain, non fallait qu'ils viennent. Alors ? Non, le Speedy paye assez bien pour que j'ai encore mes 35 000 $ sur moi. Excusez-moi l'artiste. On bouge plus, c'est un hold up. Allez, partez là, je peux vous voir. Merci monsieur, merci. Soyez sage et faites pas de conneries. Ouais, aussi on peut vous voir. Eh, je suis blanc comme neige. C'est ce qu'on dit. Hein. Ah non, mais sur le coup, je suis vraiment blanc. J'ai besoin de bronzer, putain. Ouais, c'est clair. Eh, ça va. Putain, la porte se ferme pas. Attention, attends, putain. Oh, putain. Donc là, on parle de mort. Ils veulent sa tête, On parle de mort. Attends, regarde comment je vais le tracer. Voilà. Ah oui, mais c'est quoi cette voiture, putain, on dirait un Playmobil, mais ça avance. On peut le sauver facilement, là, le Dawson, non ? Combien tu vas payer ça ? Ouais, 76 000. Tu sais que ma moto, je l'ai payée quasi plus cher, là ? Tu l'as payé 28 000, ta moto. Mais tu sais combien j'ai payé les améliorations en tout ? 30 000 et encore, c'était neuf. Eh, tu sais combien elle coûtait la veille des jours où tu l'as acheté ? Elle coûtait 12 000. Oh putain, je suis à deux doigts de bouillir. Attends, 12 000 et j'ai payé 30 000, là ? Eh ouais, ils ont monté les prix. Eh, Dawson, ouais, t'as sans doute une prime sur ta gueule, hein. Ok. On peut pas en parler ailleurs, s'il vous plaît, messieurs. Là ouais, allons nous planquer. Parce que c'est pas comme si on était au bord de la route, deux voitures en face à face. Eh, faut que Aladdin il mane son cul. Attends, je lui envoie un message. J'essaie de. T'inquiète, c'est bon, je l'ai contacté, il sera là à 22 h. Ok, ouais, j'essaye d'appeler au cas où. Attends, peut-être il capte de là où il est, tu vois. Si. Ah, il capte pas. Ok, messieurs, Jameson, faut le contacter. Ah, c'est Rosso qui m'appelle. Envoyez les points à Parkinson, Rosso et Jameson. Attends, je vais venir chercher, ok. Oui, je sais, quand je suis barré, il y a une motocross qui se baladait pour vérifier dans les bus. Hein. Ouais, mais j'arrive, hein, ok. Je reste planqué, je serai, tu vois, l'aéroport, la piste. Il y a deux potentiels morts RP qui ont été demandés. Okay. On va chercher Rosso, ok. Non, attends, faut pas qu'ils nous suivent. Non, il y a 10 minutes, là. Je l'appelle. Attends. Dawson. Ouais. Reste derrière, y'a tout le monde qui va arriver, on va juste chercher Rosso là. T'es sûr, tu veux me laisser tout seul alors qu'à Skip j'ai une prime sur la tête. Mais Rosso aussi, Rosso est dans le désert. Y'a Jameson et tout qui arrive. Ok. Mais il est con quoi, à quel moment quelqu'un sait qu'il est là ? Bah on sait pas, on est peut-être suivi, tu sais. C'est quoi cette putain d'histoire de boxe là ? Bah y'avait un combat de boxe légal qui était organisé. Par Ok. Et les Russes ils ont essayé de truquer les combats, sauf que les raffineurs, bah ils ont gagné.
Ok. Et ils ont pris le seum, ils voulaient parler à Jalali pour régler leur compte, sauf que Jalali les a snobés. Ah ouais. Et après ils se foutaient de leur gueule. Ah ok. Ouais, mais et tu demanderas un ressort, il en sait plus que moi. J'ai okay. plus d'armes, j'ai plus rien là. Hein. T'as plus d'armes? Ah ouais, t'as plus ton PPA toi. Bah ouais. Non, oh, tu sais pas ce qui s'est passé l'autre fois? Vas-y. Apparemment, les caméras de surveillance des bâtiments, elles fonctionnent que pour ceux qui ont une GoPro. Ceux Allez. Qui n'ont pas de GoPro, les caméras de surveillance, elles voient rien. Ouais, mais ah si bon. On veut pas de GoPro. Quoi? Bah moi j'en ai pas de GoPro. Mais ils vont dire que j'en ai, je suppose. Ah bah oui. Ah, c'est eux qui choisissent si on en a ou pas? Ouais, c'est ça. Moi, par exemple, j'avais tabassé un gars sur le parking central. La caméra de surveillance, c'était ma GoPro. Du coup, les mecs qui n'ont pas de GoPro, ils font ce qu'ils veulent, personne ne les verra. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est pas nouveau, hein. Justice à la vitesse. Ouais. Non, regarde. Putain, il est sérieux? Oh, Rosso, tu es sérieux ou quoi? Rosso, tu m'entends? Attends, t'es sûr que c'est Rosso là qui monte avec nous? Oui, oui, c'est lui. Et pourquoi il parle pas? Oh, Rosso. Il a un petit problème. Ah, t'es sûr que c'est lui là? On lui a coupé la langue. Oui, c'est moi, deux minutes, les mecs. Ah, putain, il avait un chiffon dans la bouche. Faites pas ça, moi. J'avais un bonnet dans la bouche. Ouais, vous êtes où? Mais putain, je t'ai envoyé les coordonnées, vas-y là. On y est avec Johnson là. Eh ben, appelez Dawson, il est là-bas, on arrive là. Ouais, ça marche. Eh, c'est encore le cousin un peu trise. Eh, Rosso, un skip, toi et Dawson, vous êtes dans une merde pas possible. Totalement. Ah, tu sais que se planquer, ça veut pas dire s'habiller avec une sac de patates, hein. Et tu sais que s'habiller avec une sac de patates, comme tu dis, ça te permet juste de te coucher devant chez les flics et de prendre toutes les informations qui passent, vu qu'ils te prennent pour un clodo. T'es pas la moitié d'un con, toi, hein. Par contre, continue comme ça, tu vas... Oh, putain. Oh, Oh, monsieur, ça va? Vous pouvez nous aider, là, s'il vous plaît? Il s'est passé quoi, monsieur, là? C'est votre pote? Je sais... Bah, non, moi, je viens d'arriver de l'autoroute, je sais pas. Attendez. Je viens de le voir complètement... Monsieur, s'il vous plaît, relevez-vous. Ah. Vous allez bien, monsieur? Oh, putain! Attendez, bah, je vais... Non, mais c'est bon, je vais m'en occuper. Ouais. Monsieur, relevez-vous, s'il vous plaît. Vous inquiétez pas, je suis taxi, donc on va l'emmener à l'hôpital le plus proche. Monsieur, okay, s'il vous plaît, marche. Prenez ma main, s'il vous plaît. Voilà, allez, venez avec toi, montez avec moi, s'il vous plaît. C'est rien, monsieur. C'est rien. Vous appelez comment, monsieur? Je me souviens plus. Oh, putain, montez. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Je sais pas qui c'est, donc on ira voir à l'hôpital et puis on vous tient au courant. Ouais, okay. Vous êtes monsieur? Monsieur Lé. Monsieur, pardon? Monsieur Lé. Monsieur Lé? Ouais. Comme le lait? Ouais, comme le lait. Ah putain, faut que j'y aille. Allez, au lieu de rendez-vous, je m'occupe de lui. Je vais appeler quelqu'un. Ok. Putain! Oh putain! Ils ont failli l'écraser encore! Ah ouais, mais la ceinture au volant! La sécurité pour tous, putain! Ouais, Riolet? Oui. Dis-moi que s'il te plaît, t'as ta tenue là. Ta plus belle tenue. Ouais, oui. Je peux t'envoyer une position et tu viens vite fait, s'il te plaît. Bah là, je suis déjà en inter. Inter quoi? Intervention. Là, y en a un sacré problème là. Ouais, je le fais rentrer. Bah, faites un appel et. Dis-moi quelqu'un qui est pas en intervention. Boris? Ah, mais on peut y aller sinon. Monsieur? Faites un appel et on y va juste après. Ouais, je fais un appel. Ouais, bonjour monsieur, vous allez bien? Ah, patron, c'est où? Mettez votre voiture, s'il vous plaît, pour pas qu'on se fasse écraser, bordel. Allez, c'est rien, putain, reste avec moi. Qu'est-ce qui s'est passé, chef? Bah rien, Oh putain, bordel! Oh, c'est bon, affaire résolue. Ok. Tiens, tu peux m'emmener en ville, s'il te plaît? Ouais, y'a pas de soucis, ouais. Et y'avait pas un cadavre au sol, là? Non, t'as rien vu. Ok. D'ailleurs, vous ferez attention, hein, patron, je viens de croiser les justés, là, dans le nord. Vous avez croisé qui? Les flics. Ouais. Et ils avaient l'air un peu pressés, gyrophares et tout ça, et j'ai croisé deux voitures. Ah, ouais, mais vous inquiétez pas, ça, je suis pas concerné de ces conneries. Oh putain, ça va ou quoi? Ouais, ça va. Vous êtes où, patron? Bah là, je suis au service taxi, là. Ok, j'arrive. J'ai croisé un taxi, vas-y. Oh putain, ok, ouais, j'arrive. Ouais, ça se passe bien le boulot? Ouais, pour l'instant, pas de soucis. Un petit conseil pour éviter d'aller emmener les clients au nord. Allez les chercher au sud de la ville. Comme ça, souvent, ils vous demanderont l'aéroport ou autre. Ouais, je sais, non, mais en fait, j'ai fait un client comme ça. Enfin, ouais, j'ai ramené un citoyen comme ça. Je suis pas vraiment fait attention où j'allais et je me suis retrouvé dans le nord, du coup. Voilà. Ah, ouais, on arrive, c'est bon. Ça. Ok, nickel. D'ailleurs, patron, vous savez si des tests de PPA vont être passés là aujourd'hui? Ouais, apparemment, ce soir, il y en a. Ah, ok, c'est pas mal ça parce que. Merci monsieur. Avec toutes les merdes qui se passent en ville là, j'aimerais bien être. Ouais, vous avez bien raison. Bon, faites attention à vous. Hein. Y'a pas de soucis de vous aussi. D'abord? Vas-y, ouais. Ok, on va où? Au point. Putain, ça va, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai appelé Riolet pour rien. Attends. Qu'est-ce qui s'est passé? Unité X? Non, une espèce de voiture qui a apparu de nulle part. Oula. Mais qui a, apparemment. Mais ça, c'est parce que t'as mangé trop fort mexicain, ça. Non, mais c'était que dans ma tête. Du coup, les dieux, ils ont dit, tu ne seras pas dans le coma. Et du coup, je me suis réveillé. Ah ouais, bah c'est vrai. Ouais, c'est toujours dans ta tête, si ça peut te rassurer. Hein. Ah ok. Laissez-moi deviner, ça vous casse les couilles et vous êtes à deux doigts de bouillir. Oh, c'est qui ça? Je sais pas, on va lui demander. Ah. Avec des phares teintés, comme. Attends, il vient d'éteindre ses phares. Il est près du rendez-vous, du lieu de rendez-vous là. Ouais, ouais, il continue ou il tourne? Il freine, il tourne. Ça doit être l'un des nôtres. Parkinson alors? Sûrement avec une Akuma, oui, c'est Parkinson. Et derrière avec le phare cassé? Je sais pas, ça toi. Ça, c'est pas. Ça, ok, ça pue la merde. Ouais, ça pue bien la merde ça. Bon. Décollez les gars, décollez. Décollez. Au lieu de rendez-vous, autre lieu, dites, prévenez tout le monde. Attends, c'est qui la sabre? Attends, attends. Attends, c'est pas Dawson ça?
Mais je sais pas, putain, qu'est-ce qu'il fait? Bah si, c'est Dawson. Putain, il casse les couilles à faire n'importe quoi. Ouais, putain. Quoi? Non, c'est bon. Attends, j'appelle moi. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Bah rien, on a cru que t'étais quelqu'un d'autre, putain. Avec ton phare cassé, là. Hop, ouais, ça va, Jameson? Salut, Jameson. Ouais, ça fait longtemps, hein. Sans la voix. Ouais, je me suis fait tout beau, là. Ouais, pas mal, hein. Ouais, tu me suceras le chibre, putain. Et c'est qui galère avec ton 4x4, là-bas, là? C'est Manuel, je crois. Oh là, Ramo. Une moto qui arrive. Attends, c'est qui la moto là? C'est Jalali, je crois. Vas-y, go. Et on s'enfonce toujours plus loin dans le bâtiment, c'est quoi le. Ah, j'ai l'impression. Ouais, c'est. Ouais. Attends, y'a un mec derrière. C'est Rosso, ça non? C'est toi, ouais, Rosso? Ouais, c'est moi. Putain, t'es vraiment le roi des habits, hein. Je t'avais pas reconnu, hein. Voilà. Pourquoi y'a deux Dawson? Ah non, putain, c'est Rosso. Mais qu'est-ce qu'il dit, lui? Eh, hey, il a mis la vidéo, ouais, attends. En fait, à côté, il fait le jeu des 7 différences alors. Et respecte-moi. Respecte-moi aussi, hein. Y'en a un qui va se faire buter et pas l'autre, hein. Elle est où la c'est réunion? Quoi, c'est quoi? Enfin, y'en a un qui va se faire buter à cause de l'autre, hein. Elle est où la réunion? Ouais, on se demande lequel des deux, hein. Messieurs, s'il vous plaît, un peu de sérieux. Bon, vous savez tous pourquoi on est là? Non. Oui, sauf toi. Alors, ça va, Jameson? Ça va et toi? Bon, la réunion, Jameson, c'est pour se structurer. D'accord. C'est un peu le bordel. Donc avant tout, faut élire un chef. Donc qui se propose, mis à part moi. Allez, propose-toi. Bon, moi, ça a été vite. Voilà. Bien joué. Bien joué, t'es le nickel. Chef. Nickel. T'as été le meilleur. Ouais, bravo. Nickel, tout le monde nous nickel. Yippie. Bref, du coup, je vais commencer par déjà vous présenter tous les sous-chefs. Donc mettez-vous en rang, ce sera plus simple. Et en se tenant la main. Non, juste une lignée. Alors, le premier sous-chef. Voilà, Manuel, tu peux ranger. Hein. Non, on sait jamais, ok? Range ça, Emmanuel. Ok, si y a un mec arrive derrière toi qui te braque. Et ben, il me braquera. Donc le premier sous-chef, ce sera Loris Rosso. Ah merde. Un poste à pourvoir de 2 heures. Ouais, s'il arrive à tenir en ville, ouais. C'est vrai. Le second sous-chef, ce sera Jalali. Le troisième sous-chef, ce sera Jameson. Ok, du coup, les deux camps sont faits. Nous, on compte et vous vous cachez, c'est ça? Ouais. Pierrot, tu pointes. Yes. Je vois qu'il est content pour nous, ça fait plaisir. Ouais, ça me fait plaisir quand même. Allez, chacun ferme sa gueule maintenant. Ouais, il a raison. C'est drôle. On va commencer par quelques règles. Des règles s'ajouteront au fur et à mesure si on survit tous. Ce qui n'est pas. Ce qui n'est pas gagné pour ma part, hein. Voilà. Inch'Allah. C'est pas gagné pour tout le monde. Pour Dawson non plus. Pour Emmanuel non plus. Pour Parkinson, on s'en soucie pas. Et pour Jalali non plus. Bah, nickel. Allez, on a déjà un groupe là. Le groupe illégal entièrement construit. Ça fait plaisir. Donc. On a un groupe pommade ou pas? Ça serait bien de mettre Parkinson dans un de ces groupes quand même. Mais on n'a pas, j'ai dit, on ferme sa gueule. Première règle, jamais de nom. Que des noms de code en opération et en réunion. Hein. Oui, mais on n'avait pas commencé les règles, connard. Et j'ai pas encore les noms de code de chacun. C'est après la réunion que les règles s'appliqueront. Deuxième règle. Jamais de téléphone en opération, uniquement à la radio. Vous ramenez plus jamais quelqu'un qui fait pas partie du groupe pour une réunion ou pour une opération. Comme c'est à moi que tu parles? À tout le monde. Ok. S'il y a un doute, y a pas de doute. J'ai un doute là. Et bah y'a pas de doute. Non bah y'a pas de doute. D'accord. Ça c'est Rosso qui me l'a inventé celle-là. J'ai rien compris mais je suis d'accord. En gros si t'as un doute, y'a pas de doute. C'est que t'as pas de doute. Ouais d'accord, ok. Du coup si tu te demandes si tu dois tirer sur un mec, bah tu tires. Ah d'accord. Voilà. C'est quelqu'un a un plan ou un problème avec quelqu'un dans cette ville, dans le groupe ou pour autre chose, il contacte uniquement son chef de branche. Il vient pas me voir directement. Ah merde. Ok. Ok. Sauf le chef reviendra me voir, sois pas con. En réunion, si personne vous a demandé de l'ouvrir, vous la fermez. Et si vous voulez parler, vous demandez la parole. C'est compris? Si. Ouais, moi je peux parler? Oui. Oui on a compris. Par contre, on avait dit pas de nom, je crois. Après la réunion. Ok. Mais bon, moi, si tu prends la parole, c'est pas pour dire autre chose que pour dire j'ai compris. J'ai une question. Vas-y. Comme c'est Louis mon patron, mais comme maintenant c'est toi, j'appelle qui patron? En groupe, le patron, ton patron, ton directeur, c'est Johnson, comme pour moi. Ok. Donc en groupe, niveau civil, hein, c'est tu l'obéis. Mais dès qu'on est en groupe, c'est plus le chef. Ok. C'est à moi et au sous-chef de décider qui participera aux futures réunions et qui décidera des plans d'action. Ok. Donc vous étonnez pas s'il y a eu des réunions où vous étiez pas là. Si vous n'êtes pas concerné par la réunion, c'est normal que vous soyez pas là. Devant les autres citoyens, on reste, bien évidemment, comme d'habitude, pas de réflexion étrange. Donc si un, ça lui casse les couilles que soit le chef, il ne sort pas devant les citoyens. Alors aujourd'hui, t'es pas le chef ou je sais pas quoi. On reste normal. Donc toi, Emmanuel, par exemple, tu continues tes délires de suce ma bite ou je sais pas quoi. Oh, avec grand plaisir. Bien sûr. Et puis avec Jalali, je sais que vous insultez pas mal. Tu continues à l'insulter quand vous êtes que tous les deux. Fils de pute. Si, fils de pute. Mais pas maintenant, il peut se claquer la gueule pour maintenant. Ok. Si aucune question à demander, vous ne posez pas. Ouais, et vous suivez les plans, question, même s'il ne vaut pas ressusciter. Ok. Ok. Ouais, Johnson. Ouais. On va lever les mains avec Johnson. Tu te souviens de Spider-Man que je t'ai parlé hier? Oui. Tu comptes en parler ou pas? Non, tu te souviens pas trop. La toile, j'ai ouais, plus trop écouté. Bon, je vais me permettre vite fait de parler, mais oubliez pas que c'est un système tentaculaire. C'est-à-dire que moi, par exemple, ou Dawson, on va prendre Dawson. Dawson bosse avec qui il veut, d'accord? Mais si jamais cette personne le trahit, il y a que Dawson qui devra tomber. Donc vous avez autant de tentacules que vous voulez, vous travaillez avec qui vous voulez. Vous avez juste assumé jusqu'au bout l'intégralité de ses mouvements. Ah, c'est-à-dire que ça. Si vous faites trahir, avant c'est quoi? Vas-y, dis-moi. J'ai dit c'est à peu près ça. C'est à peu près, mais pas vraiment. En gros, mais ça j'expliquerai après. Mais s'il y a un doute, il y a plus de doute alors. Ouais, parce que là t'avais un doute.
doute quand même, mais je trouve qu'il n'y a plus de doute. Non, moi, il n'y a pas de doute. Vas-y, explique alors. J'expliquerai après quand le moment sera venu. D'accord. C'est dans les explications de comment fonctionnera le groupe et les branches. Jamais de changement de plan de dernière minute. Parce que vous pensez devoir improviser sur un plan à la con. Si je vous dis pas d'improviser, vous suivez le plan. Wop, fils de pute! Calme-toi, putain! Pardon. Bon. Je sais même pas comment ça est possible, mais il y avait un moustique sur ta tête. Ouais. Bah, il y en avait un autre sur le tien. Attends, calmez-vous, les gars, calmez-vous! C'est bon. Là, rancha, Johnson, rancha! On reforme le rang et on ferme sa gueule maintenant. Il y en aura les conneries. Ah, mais Johnson, dès qu'on touche son plus grand frère, il sort le slash, c'est normal. Johnson, on va mettre les lunettes, vous êtes dégueulasse. Personne des nouveaux qu'on recrutera ne doit savoir dès le début qu'il y a d'autres branches dans le groupe. Et ils ne vont pas savoir que j'existe et qu'il y a d'autres sous-chefs. Donc, par exemple, dans le groupe des hommes de main, donc ceux qui seront sous les ordres de Jalali, quand vous recruterez pour eux, il n'y a pas de branche information, il n'y a pas de Rosso, il n'y a pas de Jameson. Pour eux, leur chef, ça doit être le chef, la tête du réseau. Donc pour vous, par exemple, Jalali doit être à la tête du réseau, alors qu'il ne l'est pas. Bon, vous savez bien qu'il n'est pas à la tête du réseau, mais soyez pas. Ouais, capiche. Si on nous demande, notre chef, c'est Jalali. Voilà. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est si Manuel non, se fait arrêter. Si j'ai un putain de gun dans la bouche. Non, ton chef à toi, c'est pas Jalali, t'es ton chef à toi en fait. Ceux qui sont en dessous doivent penser que c'est celui qui recrute qui est le chef et pas l'inverse. Ah, ok, pas, moi, il doit pas savoir qui est le Jalali quoi. Bah, tu peux le balancer après, mais. Ah, ok. En gros, c'est le coup du Spider-Man et la toile. Okay, c'est ça, exactement. Non. C'est moi le boss si je me fais chauffer. Donc, en du gros, coup, je l'avais bien expliqué tout à l'heure, mais bon. Du coup, j'avais doute. On va pas faire comme ça, on va juste faire que Jalali c'est le chef de la branche et tout. On va pas se compliquer les choses. Tu fais tomber un sous-chef, c'est débile. Attends, c'est qui? C'est Jalali? C'est trop casse-couille après à régler tout ça. Bah, non, c'est pas comme. Parce que dans tous les cas, les informations et les ordres passeront par Jalali. Donc, même si Emmanuel, c'est le chef. Jalali, c'est lui qui va donner les ordres. C'est complètement con que le chef soit sous les ordres d'un autre. Bah non, justement. En fait, le mec qui va être sous Jalali, donc être Manuel, qui va avoir des mecs en dessous de lui, faut qu'il pense que c'est Manuel le chef. Comme ça, si jamais les ordres viennent quand même de Jalali, c'est pas Jalali qui tombe, mais Manuel, si les mecs crachent. Et tu gardes ton sous-chef. Donc en gros, pour toi, Jalali transmet l'information à Emmanuel. Emmanuel à ses hommes, ses hommes 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 à ses hommes. Exactement. Non, c'est trop casse-couille. Plus tu fais transmettre une info, plus tu as des chances qu'elle soit déformée ou qu'elle s'échappe dans la nature. C'est pas le téléphone arabe ici. Bon, du coup. Donc Jalali sera votre chef de branche, par exemple, aux hommes de main. Ok. Pour les règles, c'est fini pour l'instant, ok? Il y en a d'autres qui arriveront plus tard suite aux conneries que vous ferez sans doute et qu'on fera. Ok. Donc les rôles. T'en as oublié une, hein? La radio, je vais en parler après. T'as oublié une règle, hein? Toujours masqué pour les prochaines réunions. Et pas de nom. Oui. Mais des noms, faut qu'on se les donne. On se les donne, les noms, non? Oui, mais les noms, vous les donnerez après et puis il y aura une retransmission globale. Donc pour la branche information, donc celle de Jameson, toi t'auras Johnson à tes ordres. Ok. Donc Johnson, tu peux aller à côté de Jameson. Vas-y, viens derrière moi. Ah, voilà. Comme quand on était petit. Exactement. À part le rôle des hommes de main, le reste vous aurez deux rôles, un rôle principal et un rôle secondaire. Voilà. Approche-toi encore un peu. Arrêtez de vous toucher le cul là-bas. Bah, on est frères, c'est bon. Le rôle de ta branche, Jameson, ce sera de choper diverses informations, ça semble logique, et de surveiller le mouvement de la police. Ok. Quand la branche des hommes de main passe à l'action sur une activité, tu devras surveiller les flics. Ça marche. Et communiquer avec Jalali à ce moment-là. Et juste toi. Ensuite, pour la branche branchisserie, c'est Dawson, du coup. Toi, Dawson, non, Rosso. Putain, j'inverse, vous ressemblez, putain. Bah, ton rôle sera uniquement de blanchir de l'argent. Mais ça, tu le sais déjà. Et ton rôle secondaire, ce sera de choper des informations, tout simplement. Donc, il faudra que tu ramènes des noms, bien sûr. Toi aussi, Jameson, si t'as envie de ramener des noms, la personne de confiance, tu m'en donneras, ok? Ok. Et pour Jalali, ta branche, c'est les trois Danny Gugus. Ça sera la branche action. Votre rôle sera juste de brasser de l'argent et de régler les problèmes qui nécessitent la force et divers problèmes dans l'illégal, ok? Et vous ferez uniquement les plans qu'on vous donnera, rien d'autre. Ça marche. Si jamais nous, en tant qu'informateur, on a un plan à proposer pour ceux de l'action, tu passes par Jameson, tu lui proposes et puis lui me dit que t'as un plan et je te convoquerai avec Jameson. Ok. C'est pareil pour vous tous. Il y aura un moment question, donc gardez vos questions pour après. Donc pour l'instant, les premières opérations qu'on va faire. Dans un premier temps, je vais m'entretenir avec chacun des sous-chefs pour voir qu'est-ce qu'on peut faire comme opération, qu'est-ce qu'il y a sur la table. Mais pour le moment, vous respecterez vos rôles et les tâches seront les suivantes, les plus basiques. Les informateurs, vous cherchez des informations. Blanchiment, pour l'instant, tu cherches juste des infos et tu blanchiras quand on aura de la thune. Action, vous allez faire de la huile et de la viande. Il faudra que vous brassez beaucoup d'argent et que vous recrutiez. Donc, peut-être pas dès ce soir, vous mettrez sympathique, mais dès demain. Et demain, il faut que vous commenciez à pratiquer de l'argent sale. Ok ? Ça marche. Pour la radio, est-ce que vous avez déjà tous reçu un mail pour rejoindre le serveur pour la radio ? Si, pas moi. Négatif. Si, tu le connais, Jameson. Ah ouais. Tu le connais, Jameson. Ah, ok. On va vous autoriser l'accès à une radio, ok? Donc je vous le dis à vous parce qu'on se connaît tous. Mais pour les nouveaux, vous ne leur direz pas, ok? Ouais. Ok. Vous aurez accès à une fréquence. Vous aurez accès à une fréquence et à votre tableau d'information à vous, ok?
Okay. Ok, tu peux nous donner la fréquence, s'il te plaît? Vous la saurez, attendez. Hein. Dans ce tableau, il est bien évident que tous ceux qui écriront quelque chose dessus, vous ne verrez pas qui c'est qui l'a écrit. Même si vous pensez voir qui l'a écrit, vous ne verrez pas. Donc à la fin, quelqu'un a écrit, signez qui c'est qui a écrit, ok? Ok. C'est fait en sorte que pour que si j'ai écrit quelque chose, j'ai pu me faire passer pour un membre de votre branche, sans qu'on sache que moi je suis à la tête du réseau, ok? Ok. Pareil, vous penserez voir des trucs à droite du tableau, il n'y a rien d'écrit, c'est une illusion, ok? Ouais. Ouais, c'est pas mal. Okay. Voilà. Des questions? Pour le moment, non. Non, pas de questions. Enfin, Parkinson, t'as une question? Non plus. Emmanuel, t'en as pas? Dawson, t'en as pas? Johnson? Non. Attendez, juste vite fait, là. Ouais. Moi, je veux bien une petite confirmation. Parkinson, moi, il bosse avec qui, là? Il est avec quel sous-chef? Bah, les trois derniers, ils sont avec Jalali. Donc, ça veut dire que Attendez. Ouais, d'accord. Attendez, j'écrase ma clope, s'il vous plaît. Vous êtes en train de me dire que lui, il va bosser avec lui et eux deux? Pour l'instant, ouais. Moi aussi, je peux me permettre, c'est une question, c'est très con, hein, parce que si j'ai bien compris, il est à l'hôpital, il peut avoir énormément d'informations pour Jameson. Ouais, pareil, je l'aurais mis dans la section information, moi. Oh non, il est bien avec vous, je t'assure, hein, il est très très bien. Ouais, mais bon, ouais, c'est mais une petite info, c'est bon. Écoutez, ça va être simple, je le mets là-dedans, s'il fait de la merde, je le mettrai ailleurs. Merci, le problème, c'est que s'il fait de la merde dans la branche action, on risque pas de le mettre ailleurs. Je t'ai pas demandé de parler. Parkinson, le truc, c'est que même pour sortir des bandages, il a de dos de se pisser dessus. Et quand il fait une course pour sauter avec les flics, il est en stress. Il croit que c'est un truc de ouf. Bah justement, c'est pour ça, mets-le chez les infos. Non, bah non, parce qu'il sortira aucune info. Excusez-moi, monsieur le chef, mais c'est pas un petit peu con ce que vous dites? Il a peur de tout et vous le mettez dans la phase action? En même temps, faut quelqu'un qui a un petit peu de tout, tu vois. Voilà, il met bien les bandages, hein. Mais bah autant le mettre dans la phase blanchisseur, là. Excusez-moi, s'il vous plaît, laissez le chef parler. J'ai dit que ce serait comme ça. S'il y a des changements à faire, je les ferai. Et pour l'instant, qu'il ait des couilles ou pas de couilles, on le formera à avoir des couilles, il a pas le choix. Plus en merde. Fais gaffe, tu prends un coup de couteau, je suis pas responsable de tes actes, t'es responsable de toi. Et je vais pas punir un mec qui t'a planté parce que tu faisais le malin. Donc s'il y a plus de questions, à part les sous-chefs, vous pouvez partir. Allez, bonne journée, messieurs. Au revoir, messieurs. Oh, ils ont pris leur mère. C'est trop. Moi, je dis rien. Mais les gars, McGallaghan. Bon, messieurs, ça va, vous êtes pas trop... Bah ouais, je suis pas trop d'accord sur ce qu'on discutait en dernier, mais bon. Ouais, mais peut-être que Parkinson, il a un peu d'action dans sa vie. Ouais, mais vu comment il panique, comment il est, dès qu'il s'agit de faire des courses-poursuites ou des trucs, moi, j'aime pas trop cette histoire. Hein. Ouais, ben, dans ces surtout que, comme on a dit, il est à l'ambulance, dans les ambulances, il peut avoir tellement d'infos. Genre, tu sais, quand il va en intervention avec les flics, il peut nous dire, ouais, je suis avec deux flics là, enfin, tu vois, je sais pas. Ah, c'est écoute, un peu bizarre. Ça a l'air de lui aller, hein, Parkinson. Bah non, mais de toute façon, même s'il avait été dans le groupe Je fais pipi, il aurait dit ok, c'est cool. Quelqu'un peut m'emmener au service taxi, s'il vous plaît? Vas-y, je t'emmène. Attends, Parkinson? Ouais. T'avais aucune question sur ce qui s'est passé, c'était bon pour toi? Ouais, c'est bon, c'est bon. Et t'as tout bien compris? Ouais, ouais. T'es sûr, t'es pas très bavard là, t'as pas l'air dans ton assiette? Ah, si. Allez, je te rappelle plus tard. Je crois qu'il boude. Vas-y, emmène-moi au service taxi, s'il te plaît. Je pense que Parkinson, vous pouvez le malayer, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire. Honnêtement, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire. Moi, je pense surtout qu'on va très vite le passer du côté des renseignements. Ouais, mais en attendant, il est formaté. C'est un cerveau vide. Vous pouvez en faire quelque chose. Je sais pas si c'est. Mais justement, c'est pas un homme d'action. Ouais, c'est un homme d'information. On l'a jamais vu. Bah, c'est un homme de pommade à la base. Ouais, mais justement, enfin, je sais pas. Et tu crois vraiment qu'il va choper des informations comme il est? Il sait même pas aligner des phrases intéressantes. Quand je dis choper des informations, c'est que comme il est obligé d'être envoyé sur les interventions avec les flics, quand il doit sonner quelqu'un, on pourra avoir des infos, tu vois. Qui était sur place, etc., tu vois. Ouais, mais tu parles, ça va pas être facile. Comme je t'ai dit, il est vide. Là, il est formaté, là. Va falloir le créer, le bordel. Parce que même en information, ça sera une tarte plus qu'autre chose. Ouais, mais c'est une tarte partout, donc. Bah oui, non, mais voilà. Donc c'est pour ça qu'il va falloir... Ouais, mais le mettre directement dans un endroit où il va falloir qu'on soit dans l'illégal, qu'on peut potentiellement se faire courser par les flics ou par d'autres personnes, je suis pas sûr que ça soit le meilleur endroit, tu vois. Fais confiance au sous-chef. Je pense qu'ils vont faire des runs préparés, ils vont faire des trucs intéressants, tu vois. Ouais, normalement, Aladdin, si tout va bien, il va prévoir... Il va mettre le... Comment il s'appelle, là, le connard? Parkinson. Il va le mettre sous surveillance, quelque part, il pourra remplir son rôle. Fais gaffe, il y a les flics. Ah, j'ai vu. D'ailleurs, le chef, il a pas oublié de nous demander nos noms de code. Justement, je pense qu'il va nous les demander un par un. Ouais, on n'est pas censé les connaître entre nous par hasard. Ouais, mais après, justement, il va les rappeler à tout le monde, je pense. Le temps de s'y habituer et tout, parce que... Bah écoute, c'est lui qui décide. Hein. Bon, allez, merci à toi. À plus. On attend des nouvelles des sous-chefs et des chefs et on verra. Hein. Ouais. Allez, bonne journée. Toi aussi. Bon, je vais bosser. Il y a deux, trois trucs que je trouve qu'il a dit un peu... comment dire?
Ah, il y a 2-3 trucs, il aurait pu perfectionner un petit peu ça. Après, là, on sait pas ce qu'il va dire au sous-chef, donc tu vois, peut-être qu'il a rattrapé certains trucs. Mais il y a 2-3 trucs un peu bancals dans son plan, comme le truc tentaculaire où. Comment ça s'appelle Rosso a parfaitement compris ce que je disais, mais lui, pas trop. Ça va, patron? Ouais, ça va, et toi? Ouais, vous avez bossé? Ouais, j'ai bossé un peu, et toi? Ouais, moi, je vais boire un verre, là, je reviens après. Tant que j'ai pas de nouvelles de chef et sous-chef, le Sailar, il est intéressant, donc je vais bosser avec lui. Hein. Ok. Bien. Je vous tiendrai au courant. J'ai quelques infos, j'ai discuté avec Raven. Mais bon, tant qu'on n'a pas de nouvelles des sous-chefs, je préfère rien dire. Parce que... Ah ouais, mais c'est pas à moi qu'il faut le dire. Moi, je sais pas tout ça. Ouais, t'inquiète. Allez, j'ai hâte qu'on ait la radio. Allô? Ouais, ça va, Riolet? Oui, ça va. On est venu sur place, il y avait personne. Ouais, mais c'est pas ça. C'est pour ça que j'ai essayé de t'appeler, que t'as pas décroché. Ouais, bah non, j'étais en bloc. D'Ivoire, t'es encore à l'hôpital là? Ouais, totalement. Tu peux me soigner ou pas pour un petit truc? Va falloir attendre un peu parce qu'on a eu un blessé par balle. Ah! Bah, c'est quoi ça? Et c'était qui? J'ai juste un prénom, Chris. Chris? Ouais, un Chris. Très bien, merci à toi en tout cas, Riolet. Ok, pas de soucis. Passe une bonne journée, j'arrive après dans l'hôpital. Ça marche, à toutes. Dès que t'es un peu tranquille, dis-moi, envoie-moi un SMS s'il te plaît. Ouais, pas de soucis. J'ai fait mon petit client, direction l'hôpital. Ça me paraît pas mal ça, vous en pensez quoi? Ouais, Sailar. Ouais. Comment vas-tu? Ça va bien et vous? Ça va. T'as réussi à t'approcher des Russes ou pas? Non, je les ai pas encore croisés. Ok, si jamais les Russes ils sont très très à fleur de peau, si tu vois ce que je veux dire. Si tu te fais kidnapper, oublie pas que tu bosses avec personne. Ouais, je bosse avec personne. Et tu connais personne. Ouais, et je préfère le préciser, c'est jamais trop. Ouais, il n'y a pas de problème. Et vous savez à peu près vers où ils sont ou pas? Parce que je suis allé au club, il n'y a personne. Ouais, là ils sont plus dans le nord de la ville, aux dernières nouvelles. Dans le nord, donc vers les points de. Ouais, c'est ça, les points de récolte, ouais. Ouais, récolte. Ok, bah je vais aller voir là-bas. Ouais, mais attends, fais attention, hein, si t'es pas russe, trouve-toi une mère russe ou un père russe. Hein. Non, pas de problème, j'essaie de me faire kidnapper même. Oh putain, tu veux vraiment te faire kidnapper par les Russes? Bah c'est le moyen le plus rapide de parler avec eux. Bah je peux faire en sorte que tu te fasses kidnap. Hein. Ah bon? Ouais. Bah ça m'intéresse. Ok, laisse-moi réfléchir à un truc et je reviens vers toi voir si c'est une bonne idée, ok? Ok, merci. Ouais.